entraînements se passent plutôt bien. J'étais venu aussi pour un peu performer sur le chipping. J'accepte enfin de jouer les chips à 100% et le chipping se passe plutôt bien cette semaine. Le putting va plutôt aussi bien, mais par contre en dessous de 2 mètres, j'ai pas vraiment rentré de putt. J'ai pris 3 fois 3 putts, donc ça aide pas à scorer. C'est pas ce que je cherchais, et à la fois si en fait. On vient pas sur un tournoi en se disant on va pas passer le cut ou on va faire plus 15. On vient quand même en essayant de gagner le tournoi, même s'il y a de l'entraînement derrière. C'est sûr que bon, si on joue bien, c'est bien. Si on joue pas bien, on est un peu moins stressé. Mais bon, c'est sûr que la gagne est quand même. On recherche quand même de faire une performance quoi qu'il arrive. Alors au retour, en fait, j'ai juste un trou où c'était un peu catastrophique. J'ai fait un hors limite sur un par 4, donc ça m'a vite pénalisé. Mais sinon, je suis content de la journée parce que la mise en jeu était compliquée aujourd'hui. Donc il y a quelques putts de plus qui sont tombés par rapport aux autres tournois. Donc je suis très contente de ma journée. Ouais. On a une fin de parcours, c'est un peu plus compliqué. Ouais, l'ancien 10 qui est le 17 maintenant, il est costaud. Et le 18, il n'est pas donné non plus. Donc c'est vrai que ça... Non, ça fait une fin de partie un peu plus serrée, ouais. Le 10, quand on commençait du 1 et du 10, du coup, on commençait du trou un peu difficile, donc c'est vrai que ça nous mettait un peu dedans directement. Mais je trouve que l'enchaînement comme ça est beaucoup mieux parce que déjà, on n'a pas les 3 par 5 qui auront 5 trous. Donc ce qui est, on a le temps de chauffer un peu plus doucement, on va dire. Mais ouais, c'est bien. On va pas partir dans la partie de tête de main, donc on va être les chasseurs entre guillemets, donc ça va être la journée. Ouais, je préfère à gérer, c'est un peu plus simple que d'être en tête après 2 jours et tenir le score. Ouais.